Again, an opportunity pour l'opportunité qui est accordée to preach again among people's life. Pour que nous puissions prêcher devant les enfants du Seigneur. So I'm here just to say thank you. Nous disons merci. Amen, amen. Amen. It's just a grace. C'est toute une grâce. We are just students. Nous sommes que les étudiants. Under the process. Nous sommes en processus. Hallelujah. So we are here just to express what God has for us today. Nous sommes là pour exprimer ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. So without wasting our time, sans plus tarder, we are going into John. Nous allons prendre le livre de Jean. John chapter 16. Jean chapitre 16. Verse 1 to 4. Le premier verset jusqu'au quatrième. Jean chapitre 16, le premier verset jusqu'à 4. The Bible says, all this I've told you so that you will not fall away. Take note of that. All this I've told you so that you will not fall away. They will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. They will do such thing because they have not known the Father or me. I've told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about this or about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. We are going into verse 33. I've told you these things so that in me you may have peace. Tell your neighbor, have peace. Avoir la paix. Wow. In this world, you will have trouble. Dans ce monde, vous aurez les tribulations. But take heart. Mais ayez toujours le courage. I have overcome the world. Car le Seigneur a gagné le monde. Take heart. Ayez le courage. For I have overcome the world. Car le Seigneur a vaincu le monde. Our simple topic of today. Le thème de ce matin. Whatever you are going through, quel que soit par où vous passez, keep your focus. Gardez la focus. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Neighbor, whatever voisin, you are going through, quel que soit par où tu passes, keep your focus. Gardez la focus à la bonne place. Keep your focus to your great future. Garde ta focus sur l'avenir. Keep your focus to the calling God has given you. Reste concentré sur l'appel que le Seigneur t'a donné. Keep your focus to the gift that God has blessed in you. Reste concentré sur le don que le Seigneur t'a donné. Keep your focus to the assignment God has given you. Reste concentré sur l'alliance que le Seigneur t'a donné. If you have an assignment, quand tu as l'alliance, there shall be trouble. Il y aura toujours des tribulations. There shall be tribulations. Il y aura toujours des tribulations. But Jesus promised us. Mais le Seigneur a donné comme that whatever trouble you may going through, quel que soit par où vous passerez, God says have peace in him. Ayez toujours la paix en lui. Remember, brethren, rappelons-nous, bien-aimés, Jesus didn't promise that trouble won't come. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Jesus never promised that you'll never have sickness. Il n'a jamais dit que nous ne serons pas malades.
If someone tells you that you never have sickness, that gospel is a liar. Si quelqu'un te parle de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, sans dire que tu ne tomberas jamais malade, cette bonne nouvelle n'est sickness, pas bonne nouvelle. Sickness will come. Il y aura la maladie. But your sickness will not be like others. Mais la maladie que tu auras ne sera pas comme la même pour les autres. Trouble will come. Les tribulations viendront. But your trouble will not be like others. Les tribulations ne seront pas comme pour les autres. Your trouble is to glorify the name of Jesus. À travers tes tribulations, c'est pour que Dieu soit glorifié. Your trouble is to lift again your faith up. Les tribulations, c'est pour avoir la foi davantage. Your trouble is to prepare you to another level. Les tribulations, c'est pour t'amener à la prochaine étape. There is always another level. Il y a toujours une prochaine étape. In order to go into another level, pour aller à la prochaine étape, you need to be tested. Il faut que tu passes par l'examen. You need to pass through trials. Il faut passer par les exercices. So that they may prove you to be a son of God. Pour que tu sois approuvé comme enfant de Dieu. He said, I owned you. Il dit, je vous ai annoncé la parole. In this world, dans ce monde, you not only have Mayai, vous n'aurez pas seulement les œufs. You not have only eggs. Vous n'aurez pas seulement les œufs. You not just walk on the red carpet. Vous ne marcherez pas seulement sur la tapis rouge. There shall be up and down. Il y aura toujours les hauts et les bas. But in that situation, mais quel que soit par où vous passez, just keep your focus. Gardez toujours votre concentration à la bonne place. Because there's a assignment in you. Car il y a l'alliance en vous. There's a great future in you. En vous, il y a un avenir meilleur. If you don't focus, si vous ne restez pas concentré, you will fall into the trap of the enemy. Il y a une forte chance que vous puissiez tomber dans les pièges du diable. That's why he said, don't worry. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas. My peace is sufficient for you. Car ma paix est en vous. My joy is sufficient for you. Car ma joie est en vous. No matter what you are going through, brother. Quel que soit par où tu passes. No matter what you are going through, sister. Quel que soit par où tu passes. If you wanna go to another level. Si tu veux aller à la prochaine étape. Don't be discouraged. Ne soyez jamais découragé. Great people are people who fight. Les grandes personnes, ce sont là qui se battent. We are not born to be down. Nous ne sommes pas nés pour rester bas. We are born to fight and to win. Nous sommes appelés à nous battre et gagner. Why should they call you a more than a conqueror? Pourquoi devraient-ils t'appeler plus que vainqueur? Why should they call you a winner? Comment pouvaient-ils t'appeler vainqueur? To be a winner, you need to fight. Si tu veux être vainqueur, il faut être you prêt need à to te fight, battre. Brother. Tu dois te battre. When they come, quand ils viendront, pray more. Prie plus. And here is where your victory is. Et c'est de là où viendra ta victoire. Alléluia! Amen. Say, oh Lord Jesus. Dis, oh Seigneur. In you I put my faith. En toi je place ma foi. In you I put my trust. En toi je place ma confiance. In all my battles. Dans tous mes combats. I win. Je serai vainqueur. If I have winners today, may we glorify the name si of Jesus. Si vainqueur, pouvez-vous acclamer le Seigneur. He told us. Il nous a déjà dit. That we shall have trouble. Il y aura toujours des tribulations. But why should you keep your? Why should you lose your hope in the Lord? Pourquoi il faut perdre l'espérance dans le Seigneur? Before trials. Devant les obscurités. Remember when more troubles come. Quand il y a plus de tribulations. You are near to your victory. Tu es juste auprès de ta victoire. When you see this one is not going, that one is not going, this is a sign there is something great is coming. Quand dans tous les domaines il y a rien qui avance, cela t'annonce qu'il y a une bonne chose qui arrive. Something great will never come if you don't pass into trials and tests. Il y a aucune bonne chose qui peut arriver sans passer par les tribulations. They need to come so that you may be lifted. Ils doivent venir pour que tu sois élevé. Be focused to your great future. Reste concentré sur ton avenir. Be focused to your ministry. Reste concentré sur ton ministère. Be focused to what God has called you for. Reste concentré sur ce que le Seigneur t'appelait à faire. Don't allow distraction to take you away. N'accepte pas la distraction de te ramener nulle part. People who wanna do greater things. Les gens qui veulent faire des grandes choses. Are people who don't allow distraction in their lives. Ce sont les gens qui n'acceptent pas la distraction dans leur vie. Are people who say no matter. Ce sont les gens qui disent quel que no soit. No matter what is going around. Quel que soit ce qui se passe autour I de moi. I stand on the promises of God. Je dois rester
ferme sur les promesses de l'Éternel. What are the promises of God over my life? Quelles sont les promesses du Seigneur sur ma vie? I am a winner. Je suis un vainqueur. Before sickness, I am healed. Devant la maladie, je suis guéri. He promised a better future for me. Il nous a promis un meilleur avenir. I will never go low. Je n'irai jamais plus bas. I will never go down. Je n'irai jamais vers le bas. I will shine in the Lord. Je vais éclairer dans le Seigneur. Let us learn two people in the Bible. Nous allons prendre deux personnages dans la Bible. We are into Daniel. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapter 3. Daniel chapitre 3. We can start from verse 13. Nous allons commencer par le chapitre verset 13. To 17. But jusqu'à if you 17. Have time, you can read it from 1 until the end. Mais si vous avez le temps à la maison, lisez du début jusqu'à la fin. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Ce sont les trois personnes qu'on a amenées devant le roi. And Nebuchadnezzar said to them, et Nebuchadnezzar a dit, is this true? Est-ce vrai? Shadrach, Meshach, and Abednego. Meshach, Shadrach et Abednego. That you don't want to serve my gods. Ne veulent pas se prosterner devant. Or worship the image of gods I have set up. Ou devant la statue qui a été placée par le roi. Now I give you an order. Alors je vous donne l'ordonnance. When you hear the sound of the horn. Le moment où vous écouterez les trompettes. Flute. En train d'être joué. Zither and the lyre and the harp, pipes and all kinds of music. Toute la musique qui sera jouée. If you are ready to fall down and worship the image I made. Si vous êtes prêt à vous prosterner devant l'image qui a été créée. Very good. C'est bien. But if you don't worship it. Mais si vous ne faites pas ainsi. You will be thrown immediately into the blazing furnace. Directement, on vous jettera dans le fournaise. Then I will see what God will be able to rescue you from my hand. Je verrai ce que votre Dieu fera pour vous enlever dans mes mains. Listen what is so important. Écoutez ce qui est très important. What Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. They said, "O King Nebuchadnezzar." Ils ont dit, "O roi majesté." We do not need to defend ourselves before you. De nous défendre devant toi. In this matter. Dans cette situation. If we are too strong into the blazing furnace. Si nous sommes à être jetés dans le fournaise. The God we serve is able to deliver us from it. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. And he will deliver us from your hands, majesty. Et il va nous délivrer de tes mains, majesté. But even if he does not. Mais même s'il ne fait pas ainsi. We want you to know. Nous voulons te faire connaître. Your majesty. Majesté. That we will not serve your gods or worship the image of gold you have set nous up. Nous ne servirons pas ton Dieu ou les statues que tu as placées devant nous. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. They knew their God. Ils connaissaient leur Dieu. They said before this situation. Ils ont dit devant cette situation. We do not need to trouble ourselves. Nous n'avons pas besoin de nous importuner. Before this situation or hardship or whatever you have set up. Devant cette situation que tu as placée devant. We do not need to defend ourselves. Nous n'avons même pas besoin de nous défendre. And we want to tell you, O King. Nous voulons te dire, O cher majesté. That we shall not bow. Nous n'allons pas nous prosterner. Tell your neighbor, know your God. Connais ton Dieu. Serving God, brothers and sisters. Cher bien-aimé, servir Dieu. Is not public. C'est pas dans le public. To know that really I'm serving God. Pour connaître que je sers réellement Dieu. Is what you are doing in secret. Tout se passe dans ce que tu fais dans le secret. If you wanna be serious. Si tu veux être sérieux. What you are doing in secret. Ce que tu fais dans le secret. Is what defines you who you are. C'est ça qui détermine qui tu es réellement. Not in public. Pas ce que tu fais en public. Anyone who can call himself a Christian, a Christian, a Christian. Tout le monde peut dire je suis chrétien et chrétien devant tout le but monde. But not such in heart. Mais pas cela dans le secret, dans le cœur. Anyone can say, oh, I am a man of God, I am a man of God. Tout le monde peut dire je suis un serviteur de Dieu. But not such in heart. Mais pas cela dans le secret, dans le cœur. God is looking for the heart. Le Seigneur cherche le cœur. Not the appearance. Pas l'apparence.
If you know your God, quand tu connais ton Dieu, no matter the situation, quelle que soit la situation, you will trust yourself. Tu resteras toujours ferme et tu croiras en toi-même. There won't be condemnation. Il n'y aura pas de condamnation. Nothing will judge your thoughts. Aucune chose qui va juger tes pensées. Satan will always tell you, remember what you did. Et rappelle-toi, le diable te dira toujours ce que tu as fait. And et rappellera ce que tu as fait. And this is what put many people into traps. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes tombent dans les pièges. Tell your neighbor, dis bien-aimé, if you want to serve God, si tu veux servir Dieu, serve him in the truth. Tu dois le servir dans la vérité. Don't deceive yourself. Il faut pas que tu puisses te décevoir. If you are a Christian, be a Christian indeed. Si tu es chrétien, sois chrétien réellement. That's why you find some people. C'est pourquoi tu verras quelques personnes. At school or in public. En public ou à l'école. Are you a Christian? Es-tu chrétien? Ah, really? I don't know. Ah, je sais pas. Are you a Christian? Es-tu chrétien? Also, do you know Jesus? Connais-tu qui est Christ? They deny. Et il a le renié. Others don't ask them. Also, you are you here? Et toi aussi es-tu là? Are you here also? Toi aussi es-tu do là? Do you go to church? Vas-tu à l'église? Where are we going? Où allons-nous? Where are we going? Où allons-nous? Shadrach said. Shadrach a dit, I know my God. Je connais mon Dieu. No matter the situation I'm going through, quelle que soit la situation par laquelle je passe, we will not bow down. Nous ne nous prosternerons pas. My focus is this, brother. Ma concentration est that no matter the situation, j'aimerais dire quelle que soit la situation, don't bow before that situation. Ne te prosterne pas devant cette situation. Allow your God to win over the situation. Laisse ton Dieu de gagner au-dessus de la situation. Allow your God to win over hardship. Laisse ton Dieu de gagner sur tout ce qui est difficile devant toi. We don't care whether you are a queen or you are a king. No. What we know, God is our God and we shall not bow. Quelle que soit la personne qui est devant toi, ne te prosterne pas devant la personne. Nous savons que l'Éternel nous donnera la victoire. That sickness is an enemy. Cette situation, la maladie, c'est juste l'ennemi. That problem is an enemy. Quel que soit ton problème, peut être ton ennemi. Don't allow to bow before it. Ne te prosterne pas devant la situation. Use the promises of God over it and you shall win. Utilise les promesses du Seigneur sur ta vie pour gagner sur la chose. Being a Christian, être chrétien, we have our Father. Nous avons notre Père. Your father, whether he saves you, le père qui t'a sauvé, whether he saves you, s'il te sauve, or he doesn't save you, ou il ne te sauve pas, he's still God. Il reste Dieu. Don't tempt your God. Ne tente pas ton say, Dieu. Say, oh Lord Jesus, dis, oh Seigneur whether Jésus, you save me, si tu me sauves, or you don't save ou me, tu me sauves you're pas, still my God. Tu restes mon Dieu. In this situation, oh Lord, dans cette situation, oh Seigneur, whether you elevate me, si tu m'élèves, or you don't elevate me, tu ne m'élèves pas, Lord, I worship you. Je t'adore, Seigneur. Ask just yourself. Pose-toi une question. If your prayers for many years would have been answered, si toutes les prières que tu as faites depuis ont été exaucées, what could have happened to you? N'ont pas été exaucées. Que pourrais-tu être aujourd'hui? If your prayers for being great or for being on this position would have been answered, who knows what could have happened to you? Si Dieu t'avait rendu grand maintenant, selon la prière d'hier, que seras-tu aujourd'hui? That prayer you've been offering, la prière que tu donnais comme offrande, if it could have been answered, si le Seigneur l'avait do you know maybe where you would have been? Sais-tu où tu pouvais être aujourd'hui? This is why we rely on Jesus. C'est pourquoi nous nous plaçons dans le Seigneur. Because he's the master of circumstances. Car c'est le maître des circonstances. He knows what is tomorrow. Il connaît he knows qui va what is faire now. Demain. He knows all about me. Il connaît toutes choses sur nous. Jesus knows about you, brother. Le Seigneur connaît tout ce qui se passe. Jesus knows about that situation. Le Seigneur connaît sur cette situation. Don't give up on what God has given you. Ne faut pas abandonner ce que le Seigneur t'a donné. Fight through, and you shall be a winner. Battre-toi et tu seras vainqueur. We don't care, O King. Nous, on s'en fout que ça soit le we roi. We know our God. Nous savons notre Dieu. We shall not bow. Nous ne nous prosternerons pas. Go and declare Jesus about your friends.
Va déclarer le Seigneur auprès de tes amis. Go and declare Jesus about those around you. Va déclarer le nom du Seigneur. Let them know you really who you are. Que les gens puissent te connaître réellement qui tu es. Also, don't go and say me, you know, I'm a man of God. I'm a man of God. Faut pas aussi aller en disant je suis un serviteur de Dieu. Let your action, your character reflect who you are. Laisse ton caractère et tes actions puissent refléter qui tu es. Hey, I'm at school. I always work with guys. Le frère marche toujours avec les amis. Then when they are together, they always say their words. Et quand ils sont ensemble, ils disent des gros mots. But always I used to ask you, who told you those words? Et il who les demande toujours, qui t'a appris ça? Who taught you to speak this? Qui t'a appris à parler comme ça? He said, no, you know, it just come. Et tu sais, ça vient juste comme ça. Always when I'm meeting with them. À chaque fois quand le frère est avec eux. They always say, please, when we are here, when a man is here, let us respect ourselves. Ils disent toujours, il faut pas dire des gros mots manières. And the other people, they say, no, I know you. You are a man of God. Et eux-mêmes disent que vous êtes homme de Dieu. So we need to respect ourselves. On doit se respecter. Let people nous. Honor you before your God. Que les gens puissent so that they may glorify Jesus in you. Que les gens puissent honorer Dieu à travers toi. The way you behave. La façon comment tu the way you talk. La façon tu parles. Even to your children, the way you talk. Même envers tes enfants, it la façon bring dont tu them parles. Closer to Jesus. Cela peut les amener auprès de Christ. You show them Jesus, but before them. You reject your words. Tu les présentes Christ, mais auprès de eux, tu manifestes une autre image. You show them Jesus, but your actions, your character reject Jesus. Tu les présentes Christ, mais ton caractère et tes actions rejettent Christ. That's why you'll find even the children will say, huh? Why should I go there if my mother, my father still drink alcohol? C'est pourquoi même les enfants se demandent comment puis-je aller là pendant que mon père et ma mère prennent encore de la bière. But there in the church they say alcohol is bad, but my father, I see them with a bottle. I am mon père na kanana. Mon père est encore avec la bouteille. Mais il travaille à l'église. Listen, your character matters. Le caractère est très important. You want your children to be children of God. Si tu veux que tes enfants soient des enfants de Dieu. But your actions. Il faut travailler sur ses actions. Your actions. Les actions. Denies Jesus. Les actions sont en train de trahir Christ. You tell them, we are the children. You need to go to church. You need to do this. But if our action really are truly, even our children, all immediately they will change. Si les actions concordent à ce que nous disons, même les enfants viendront à l'église sans hésitation. Let's be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Before people, we reflect the image of Christ. Devant les hommes, nous devons refléter l'image de Christ. That's why he said, as he is, so we are in this world. C'est pourquoi il a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. As Jesus is, so I am. Tel qu'il est, tel que nous sommes oh, dans ce monde. As Jesus is, so you are. Brother. Que tel que Christ est, que tu sois. As he won, you are winning today. Comme il a vaincu, que tu sois vainqueur you are winning aujourd'hui. Your battle. Tu vas vaincre tes combats. What is that situation before Quelle Jesus? Est cette situation devant le Seigneur? This is what the king told Jesus. Oh God, he told a servant of God. C'est ça la question que quelqu'un a demandé à un serviteur de Dieu. He told him, "Who are you, you great mountain, before the Zerubbabel?" Qui es-tu, cette grande montagne devant Zerubbabel? Who are you, you sickness, before a child of God? Qui est cette maladie devant un enfant de Dieu? Who are you, situation, before a son of Jesus? Qui est cette situation devant l'enfant de Jésus? You shall be leveled in the name of Jesus. Tu seras élevé au nom de Jésus. You shall be leveled in the name of Jesus. Is it that fear? Quelle est cette peur? Is it fear? Est-ce que c'est la peur? Is it limitation? Est-ce que c'est les limitations? Is it financial crisis? Est-ce que c'est les finances? In the name of Jesus, you shall be leveled. Au nom de Jésus-Christ, nous serons élevés. You shall be leveled. Tu monteras en dimension. What is that situation before Quelle you? Quelle est cette situation devant toi? Don't give up, brother. Faut pas abandonner. Keep your focus in the Lord. Il faut rester concentré All dans those situations Seigneur. That shall be leveled. I'm praying Toute right now for you. Tu vas monter. Receive the grace to win in the name of Jesus. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. La sotala.
Remember in Daniel 6, we are reading about a man of God, Daniel. Nous sommes en train de lire sur Daniel. Daniel had a great spirit in him. Daniel avait un esprit supérieur en lui. And the people, they started plotting about him. Jusqu'à ce qu'on a commencé à comploter, concocter des histoires autour de lui. And they say, now we need to bring an issue immediately. Et ils ont dit, faisons quelque chose immédiatement. We are looking for this man. Where can we find him? Nous le cherchons, nous ne le trouvons pas. But where we can find him is under the act of his God. Ils ont dit, nous pouvons seulement le chercher à travers sa façon de marcher avec son Dieu. What we can do now? La chose que nous pouvons faire maintenant. Let's now do this. Et faisons ceci. Nobody should pray. Aucune personne ne puisse prier for 30 days. Pour 30 jours. The one whom we shall see praying, la personne que nous verrons en train de prier, we shall put him under what? Under the lion den. On va le mettre dans la maison avec les lions. This is what we are going through. C'est ce que nous sommes en train de passer. They are trying to stop you from praying. Ils sont en train de te faire passer par des moments où tu ne puisses pas prier. So that your faith may be down. Pour que ta foi puisse rétrograder. Wake up, brother. Lève-toi, bien-aimé. But what Daniel did is this is 6:10. Voici ce que Daniel a fait. Now when Daniel learned that the decree had been published, quand Daniel a appris que l'annonce a été annoncée publiquement. He went to his home upstairs room. Il a rentré dans sa maison. Where the windows they are located toward Jerusalem. Où les fenêtres vont vers Jérusalem. Three times a day he got down on his knee and prayed. Il a commencé à prier trois fois par jour. Giving thanks to his God. Rendant grâce à Dieu. Just as he had been doing. Comme il le faisait auparavant. Before the situation. Devant la situation. Daniel never stopped. Daniel n'a jamais arrêté. Instead, he increased the volume. Au lieu, il a même changé la méthode. Il a augmenté la méthode. Before that situation, increase the volume. Quand il y a la situation, il faut monter. A volume prière. Of prayer. Monter en prière. If they used on one prayer. Si tu priais une fois. Change now the attitude. Change l'attitude. Put the gear. mets un peu de vitesse. Alléluia. Daniel before the situation. Daniel devant la situation. He prayed the more. Il a prié davantage. Before that situation, he prayed the more. Devant la situation, il faut prier davantage. Don't bow because somebody is saying so and so. Il ne faut pas te prosterner parce que l'autre dit ceci et cela. The Bible says. La Bible dit. Those who knows their God. Ceux qui connaissent leur shall Dieu. Shall fight back. Ils vont faire le aller-retour en par victoire. Contre-attaque. Those who know their God, ceux qui connaissent leur Dieu, they don't keep quiet. Ils ne restent jamais calmes. They fight back. Ils font le contre-attaque. Where do you fight, brother? À quel moment es-tu en train de te Where do you fight, sister? Où es-tu en train de te Remember, our battles are not against flesh and blood. Il faut savoir que nos combats ne sont pas charnels. They are spiritual. Ce sont des combats spirituels. Where you will win is under the authority of prayer. Tu ne peux que vaincre à travers l'autorité de la prière. Where is your prayer life? Où est ta vie de prière? Where is your prayer life, sister? Où est ta vie de prière, ma Where soeur? Is your prayer life, brother? Où est ta vie de prière, Wake mon frère? Lève-toi. Wake up. Lève-toi. Where you are sleeping. Là où tu Wake dors. Up. Lève-toi. This is time of waking up. C'est ça le temps de se réveiller. Putting your focus to what God has given you. Mettre la concentration sur ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen. Est-ce que talking to someone? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Am I talking to someone around? Suis-je en train de parler à quelqu'un au milieu de nous? Daniel, when he plotted against him, quand ils se sont complotés contre Daniel, he refused. Il a refusé. He said, "No, I won't give up." Il a dit, je n'abandonnerai pas. And instead, au lieu, and he replied. Au lieu d'arrêter, il a fait le contre-attaque. The king came and he said, "Where he was in the lion den." Jusqu'à ce que le roi a dit, Daniel, have you been saved by your God? Quand on l'a jeté dans
Dans la maison avec les lions. The enemies, they didn't know. Les ennemis n'ont jamais su. That God had prepared a table before the enemies. Que Dieu a été juste en train de préparer une table en face de ses adversaires. Whatever we are going through. Quel que soit par où nous passons. Allow God to prepare a table. Laisse le Seigneur de préparer une table. People, they may laugh at you now. Les gens peuvent rire de toi aujourd'hui. But what matters is the end. Ce qui est plus important, c'est la fin de l'histoire. This is the power. What matters over your life? Ce qui est plus important dans ta vie. It's not now. C'est pas maintenant. It's my tomorrow. C'est demain. What matters over my destiny? Ce qui est plus important pour ma destinée. It's not now. C'est pas maintenant. Laugh, you may criticize. Tu peux critiquer, but the end matters. Mais la fin est plus importante. That's why I feel sorry to some ministers, people. You are always up because go slowly. C'est pourquoi c'est désolant quand les gens sont hyper excités au début. Let's go slowly because the battle is ahead. Il faut aller doucement car le vrai combat est en avant. Brother, sister, your action of now determines your tomorrow. Les actions de maintenant déterminent le lendemain. Your future is greater than now. Le futur est meilleur que maintenant. Your tomorrow is greater than now. Le demain est plus important que maintenant. That's why don't allow your situation around to determine your future. C'est pourquoi il ne faut pas laisser le présent déterminer l'avenir. That's why I'm here to speak to someone. J'aimerais dire à quelqu'un. Daddy, the God who saved Shadrach. Le Dieu qui a sauvé Shadrach, the God who saved Abednego, le Seigneur qui a sauvé Abednego, the God who saved Daniel, le Seigneur qui a sauvé Daniel, he's saving you now. Il est en train de te sauver maintenant. He's saving you over that situation. Il est en train de te sauver autour is de cette situation. He's doing you today. Il est en train de te restaurer if aujourd'hui. If you believe, may we clap for si Jesus. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Let's read just the last verse. Lisons le dernier verset. Thank you, Jesus. We are in John chapter 16, verse 20. Nous sommes dans Jean chapitre 16, verset 20. The Bible says, "Very truly I tell you." En vérité, je vous l'ai dit. You will weep and mourn while the world is rejoicing, but you will grieve. But your grief will turn into joy. Vous allez s'aimer avec les pleurs, mais cela va se transformer en joie. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. Une femme qui met au monde, elle a toujours mal car le temps est arrivé. But when her baby is born, mais quand l'enfant est né, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Elle oublie le mal qu'il a eu à cause de la joie quand l'enfant est dans le monde. So with you, avec vous. Is now is your time of grief. C'est votre temps de tribulation. But you will see again and you will rejoice and no one will take away your joy. Plus tard, vous allez vous réjouir, aucune personne ne prendra votre joie. Brother, right now you may be mourning. En ce moment, on peut se moquer de vous. Right now you may be crying. En ce moment, tu peux juste en train de pleurer. But your cry will turn into joy. Mais tes pleurs changeront en cri de joie. People may laugh at you right now. Les gens peuvent rire de toi maintenant. People may see you that business won't function. Les gens peuvent dire que ce business ne va pas avancer. People will say you won't go anywhere. Les gens peuvent dire tu n'iras nulle part. People will say this one is always a failure. Les gens diront que celui-là échoue toujours. But don't take their words. Take what Jesus has given you. Il ne faut pas prendre leurs paroles. Prends la parole du Seigneur. Take what Jesus is speaking about you. Écoute ce que le Seigneur dit sur he ta vie. He says to you now. Il dit ceci. That problem. Que ce problème. That issue. Cette situation. Whatever you are going through. Quelle que soit par où tu passes. It shall turn into joy. Va se transformer and en I'm joie. And I'm declaring in the name of Jesus. Je proclame dans le nom de Jésus. The joy of the Lord run over your heart. Que la joie du Seigneur soit ton partage. The Egyptian you see yesterday. Les Égyptiens que tu voyais. The problem you are seeing now. Le problème que tu vois maintenant. The fear you are passing now through. La peur par laquelle tu whatever passes. Whatever is passing through your family. Quel que soit par où tu passes you ta shall famille, see them no more.
tu ne le verras plus. Receive the grace in the name of Jesus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Keep your focus. Reste concentré. Keep your focus. Reste concentré. Jesus is calling you for greatness. Le Seigneur t'a appelé pour la grandeur. Alléluia. Amen. Say, I'll never give up. Dis, je ne vais jamais for abandonner. Greater pour le is he. Car c'est lui qui est à moi. Than he that is in the world. Et plus grand que celui just qui est dans ce monde. I see the joy of the Lord. Est-ce may que I see je peux the voir joy la of voix the Lord? Du Seigneur en ces lieux? If you are blessed, let us stand just into si a moment just béni, on prayer. Nous allons nous lever, nous allons prier. Just we are going to pray. Nous allons seulement prier. That my God. Que notre Dieu. Whatever situation I'm passing through. Quelle que soit la situation par où je passe. You who calls me. Toi qui m'as appelé. You never give me the temptation beyond my faith. Tu ne m'as jamais donné les épreuves au-dessus de mes efforts. Whatever is passing through my life. Quelle que soit par où je passe dans Lord, la vie. Lord, hear me through today. Seigneur, écoute-moi aujourd'hui. Lord, hear me through today. Seigneur, écoute-moi aujourd'hui. Fight my battles. Seigneur, bats-toi pour fight moi. Fight my battles. Seigneur, bats-toi pour release moi. Release me today. May I see someone start to praying in the name of Jesus? Pray in the name of the Lord. 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 Et quelqu'un puisse commencer à prier. Whatever I'm going through, oh Lord Jesus, help me to win. Moi, quel que soit par où je passe. Lord Jesus, whatever I'm going through, help me to win it today. Open your mouth and pray. Quel que soit par où je passe. Open your mouth and pray. Quel que soit par où je passe. Lord Jesus, help me Seigneur, aide-moi to endure. De rester. Help me to be focused on my calling. Donne-moi la capacité de rester concentré. May your grace locate me today, Lord. Que ta grâce puisse me localiser. May your grace locate my children. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Start to pray, start to pray, start to pray, start to pray. Just pray in the name of Jesus. That Jesus touch you today. That Jesus heal you today. That Jesus heal your future. Commence à prier pour ton avenir. Tu es tout pour moi. Let him touch you now. Let him touch you now. Let him touch you. Let him touch your future. Lord, touch my future in the name of Jesus. We pray, oh Lord, we pray, oh Lord, we pray, oh Lord, over this ministry, Lord. We pray your grace to locate us. We pray your grace to locate us. Touch your people right now. Heal your people now. Deliver your people now. Rescue your people now from any situation. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Continue, continue, continue to pray. Just pray over this ministry. Pray over your destiny. Pray over your career. Open your mouth and pray. Lord Jesus, locate us. Lord Jesus, locate us. Lord Jesus, locate us. Before the problem, may we focus on you. 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 Wherever you are, pray in the name of Jesus. Open your mouth and pray. 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 Enough is enough. Let Lord locate you in the name of Jesus. Que le Seigneur puisse te localiser. Enough is enough. Let Lord locate you today. Lord, touch your people right now. Lord, touch your people right now. Those who are going into problems. Is it touching you today? Lord, touch your people, touch your people, touch your people. Lord, touch your people, touch your people. Lord, touch your people, touch your people. Lord, touch your people, touch your people. Reba Shalaya. Allow Jesus to touch you. 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 Garde-moi près de toi. Open your heart.